Monsieur le ministre Abdoul Kabelé Camara, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur Sékou Issi Camara, honorables invités, Mesdames et Messieurs, hommes de troupes, et pardon, chers officiers, hommes du rang, chers collègues, tout protocole observé. S'il m'était demandé, avant de commencer, de donner une note au ministre sortant, après son brillant oral, je lui aurais donné la note 18 sur 20. Et ce qui m'empêche de faire comme lui, sinon il me reviendrait de me souvenir de nos cours en amphithéâtre à la faculté. Tellement que le style qu'il a adopté pour nous passer son message était un style à la hauteur de l'événement et qui, j'espère, s'inscrira à l'aide de lumière dans les annales de passation de pouvoir au sein de ce ministère. Merci, monsieur le ministre sortant, pour les aimables mots de bienvenue qu'il vous a plu de m'adresser. Et soyez assurés, comme vous l'avez dit, je serai à la hauteur et je vous promets que vous ne serez pas déçus, chers grands frères. Que j'appelle d'ailleurs, si heureusement et de manière affectueuse, Fourie. Merci, monsieur le ministre Abdoul Kabelé Camara. J'oubliais que mon cher frère, monsieur Billy Nankouma de Mouya, ministre de la fonction publique, était aussi parmi nous. Je crois qu'il profitera de cette occasion pour régulariser la situation de beaucoup de fonctionnaires de police. Merci à lui. Mesdames et messieurs, je voudrais avant tout remercier très chaleureusement et exprimer ma profonde gratitude et toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a bien voulu me porter à cette haute fonction de ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Que Dieu le bénisse et le protège pour sa magnanimité et la justesse de sa décision, que d'ailleurs j'apprécie très hautement, tout en nourrissant l'espoir de mériter cette confiance placée à ma modeste personne parmi tant d'autres de nos concitoyens. Ma gratitude va également à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Docteur Ibrahima Kassori Fofana, de m'avoir coopté au sein de son équipe gouvernementale. Mes affectueuses pensées en ces instants solennels vont à mon illustre père, qui a été un de mes dépensiers à ce département ministériel. Mes amitiés vont également à toute ma famille et une curieuse pensée à ma mère. Tous mes hommages à tous mes amis ici présents et auxquels j'exprime toute ma reconnaissance, sans oublier les vaillants combattants, les camarades du RPG arc-en-ciel ici présents parmi nous. C'est le lieu de dire, plus haut qu'ailleurs, que j'assumerai avec zèle, compétence, dévouement, honneur et dignité, la mission qui est désormais la mienne, je voudrais dire la nôtre, dans ce secteur hautement stratégique de la sécurité et de la protection civile. Je m'engage devant vous, chers collègues,
tout en vous y engageant de redorer l'image des forces de police et de protection civile dans le changement de comportement, l'amélioration efficiente de nos conditions de travail pour une plus grande efficacité de nos actions contre les troubles à l'ordre public, la délinquance, la criminalité et le grand banditisme, l'anarchie dans la circulation routière que nos populations veulent disparaître, faire disparaître sans tarder, les trafics de tout genre, les tares, mais également les effectifs de la sécurité et de la protection civile. Il serait superflu de ne pas rappeler que le processus de réforme courageusement entrepris par mon prédécesseur sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République sera poursuivi sans désemparer. Enfin, je tiens sincèrement à vous remercier de l'accueil qui m'a été réservé parmi vous. En retour, soyez rassurés de ma disponibilité, mon engagement et ma loyauté à servir la République avec vous dans un esprit d'équipe. Vive le Président de la République, vive la République, que Dieu bénisse la Guinée. Et j'espère que la récréation prendra fin à partir de maintenant. Je vous remercie.